Eh bien, salut à tous les amis, c'est White, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc un Fire Stick. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc celui-là, il vaut vraiment pas cher, il vaut 7 euros donc chez Decathlon. Hein. C'est vraiment un milieu de gamme quoi. Parce que c'est pas non plus un bas de gamme. Un bas de gamme, vous pouvez en trouver à 2 euros quoi sur internet. Et de haut de gamme, ça peut monter jusqu'à 20-30 euros. Mais là, c'est vraiment des trucs presque qui servent à rien, quoi. Bon, du coup, déjà pour utiliser un Fire Steel, donc vous, enfin un Fire Stick, pardon, vous tenez fermement cette partie et vous essayez de voir là où il est usé en fait. Il faut trouver la partie usée. Et donc, quand vous avez trouvé la partie usée, donc comme moi, vous prenez votre grattoir, donc qui est une mini lame en acier. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez en prendre, enfin en faire quoi. Vous la mettez contre là, et après, vous grattez assez fort pour déclencher une flamme, entre guillemets. Voilà, vous voyez. Après voilà, c'est vraiment pas en cas d'urgence, mais c'est vraiment plus pour le fun, donc on utilise ça parce que vous voyez c'est pas très efficace hein. Et puis il faut surtout du temps parce que c'est des étincelles qui sortent, c'est pour ça que je le fais sur du bois parce que c'est pas dangereux vu que c'est des étincelles, mais du coup faut faire attention quand même. Et pour allumer, bah faut faire un espèce de nid avec des feuilles mortes etc. Du coup hein, je vous remontre, vous tenez bien fort. Vous bloquez et vous poussez. Attendez. Voilà. Après, voilà, ça marche vraiment pas à tous les coups. Mais quand ça marche, ça fait pas mal d'étincelles. Donc, les gars, voilà. C'était White. Et écoutez, bah. A plus.